ça vibre. La manette vibre. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? ici 12 Blizzard, on se retrouve sur Full Contact Safari pour un petit Safari. Major, ah, pardon, je raconte ma vie plus tard. Si vous m'entendez, trouvez un moyen de transport et allez à vol. D'accord, ça marche. Donc voilà, la dernière fois on s'était quitté dans un joli ascenseur et puis on se retrouve là en bas de l'ascenseur de manière plutôt cramée. Et donc ravi de pouvoir continuer ce let's play avec vous. Donc on va un peu explorer les environs là, qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à une fracture. Une fracture? Bien sûr que tu peux. Je sais pas, Doc. Oh là là, c'est la misère, donc on peut le voir, c'est la misère. Qu'est-ce qui se passe ici? Y'a quoi? Ceux qui peuvent marcher, bougez-vous. Les autres. Je pensais qu'on pouvait prendre un truc ici. Ah voilà, il y a des armes là-bas, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est l'autoroute de Tsavo, il me semble, le nom de la mission. Et j'adore cette mission parce qu'il y a des véhicules. Et j'aime beaucoup les véhicules dans l'eau. Allez. Et donc là... Comment ça se présente, sergent? Je sais pas. C'est la sortie. Le commandant. Ouais, c'est la sortie, ça. Et donc ici, il y avait tous les Warthogs assez pétés, en fait. Allez, on monte. On dégage de ce trou. Avec des jolis... Sérieux? Des jolis mourants. De type cadavérique. Ah, j'ai envie de monter là-dessus, là-haut, je vais me monter. Bon, je crois que ce sera pas aujourd'hui, si. Remarque. Ouais, voilà. Voilà, je suis monté sur le petit toit, je suis content. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je peux y aller maintenant. Bon, par contre, si vous pouvez arrêter de gueuler, vous, là... oui, moi aussi, je souffre, hein, ok. C'est pas, pas une raison pour me plaindre. Ces tunnels débouchent dans la savane, Major. Allez, donc là, on arrive ici, et là, ils sont tous partis déjà, sauf moi. Parfait. Bon ben on va prendre ça, hein. Écoutez, le fameux Warthog est là, on roule, et là c'est le début de l'extase quand vous jouez à Halo 3, vous vous dites « Oh c'est génial !» Et en fait on sait pas vraiment pourquoi, bah si pour ce saut en fait là, ce saut qui fait tout, voilà, ce saut qui fait tout. Yes, oh non j'ai réussi à me retourner, putain c'est ridicule. Allez, on va passer par là, c'est toujours plus sécure. Voilà. Ça change absolument rien, mais c'est plutôt drôle. Ça en fait... Parce qu'en fait, il a des amortisseurs de merde, ce Warthog. Ça se voit, quand tu sautes, il se plante. Et allez, là, c'est parti. Là, c'est Geronimo. Et voilà. Là, l'extase. Comment on appelle ça? Les missions avec des mondes ouverts comme ça, là, comme on les voit. Moi ça me fait juste jouir. Hein. Par rapport à la mission d'avant, c'est vraiment un gros plus qu'on se tape. Par contre, il rame du cul, le Warthog. J'avais jamais remarqué. Donc, moi de toute façon je veux ton sniper, voilà, je te laisse même pas le choix. Je prends ton sniper, je te laisse absolument rien, même pas de discussion quoi. Oh c'est faible, oh c'est faible, oh c'est faible. Ici aussi pour la petite anecdote, je me rappelle en légendaire. Ouais, on cherche les survivants, après s'il te plaît je raconte ma vie d'abord. Donc en légendaire ici vous passez en fait, et là vous, par exemple, boum, vous êtes mort. Directement vous prenez deux balles, vous décédez, donc on peut pas bourriner comme ça en légendaire et c'est assez dommage, moi j'aimais bien bourriner. Et là c'est pas possible. Oh, allez on va passer par là-bas plutôt. Hein. Un fantôme, putain mais ça, ils ont pris la voix d'un Marseillais pour faire les doublages, c'est trop beau. Et merde, un fantôme. Donc on va pas se faire chier à buter tout le monde, hein. C'est le principe de cette mission, c'est absolument pas ça. C'est de courir tout droit. Je répète, mon convoi ouais, est touché, je suis blessé. On est sur la route de Tsavo, à l'est de Voy. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Je me rappelle. Donc là-bas, il faut ouvrir cette porte. Bon, on va laisser notre serre-conducteur en chef. Voilà, parfait. Parfait. Voilà, génial. Mais génial. J'en rêvais d'une action telle que celle-ci. Courir vers la brute qui vous laisse en cadeau un beau paquet là. Et mourir comme une grosse sous-merde. Putain, j'ai pris la grenade quoi. Comment j'ai pu faire ça? Allez, non, pourquoi il me... J'ai toujours essayé de le sauver lui, hein. J'ai toujours essayé, je vous jure. C'est pas possible. Vas-y, la brute, ça va. On la joue en Warthog comme... comme quand on fait du matchmaking. Ne jamais trop avancer, toujours rester à l'écart un peu. Voilà, c'est bon, il est mort. C'est bon, on a tué deux. Allez, montez. Ah, un sniper à couvert. Tout ça parce que j'ai un sniper dans les mains.
Allez, montez avant de mourir là. Voilà, tuez-le. Ça marche. Ou là-bas. C'est quoi lui? Mais le mec, comment il m'insulte. Allez, 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 allez. Putain, ça va, elle prend cher. Hein. C'est vrai qu'on est en facile. Oh, y'a le prophète là-bas. Je ne laisserai jamais parler, ça c'est la base. Oh putain, c'est vrai que. Voilà, laissez-moi le buter ça tranquillement et me barrer. Voilà, c'est bon. Je vous rassure, j'ai même pas fait exprès de mettre la bulle. Hein. C'était. J'avais le réflexe d'Halo 4, essayer de sprinter avec X. Et sauf que ça a balancé la bulle. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'essayer de buter le mec. Ah, mais notre pote a pris le chopper. Bah, parfait. Oh là là, ça va pas se passer comme ça. Comment on sort du véhicule? Comment on sort du véhicule? Je suis mauvais, je me rappelle plus des touches. Du coup, j'ai balancé la bulle sans même faire exprès. Parfait. C'est bon, on peut passer? Ils ont arrêté l'espèce de drone de, du futur là, du turfu. Ok. Oh oui, cet endroit avec le gros vaisseau qui passe au-dessus là. Voilà. Vous savez. Ah merde. Ah, je me rappelle qu'ils arrivaient à faire un glitch ici pour garder le Warthog le plus longtemps possible. Parce que j'ai toujours essayé de faire passer mon Warthog ici en fait, mais il y a besoin d'un module anti-gravité. Ah bah non. Ah bah peut-être. Je sais pas, parce que ouais, je me souviens que j'avais vu dans une vidéo où le mec il prenait un module anti-gravité, je sais pas trop où. Et ça lui permettait de monter son Warthog. Bon, moi voilà, je suis plutôt une couille dans le potage. Je vais plutôt juste perdre mes alliés. On aurait pas pu le faire monter ici, mon Warthog. Non, il aurait pas passé là. Hop là, bon bah c'est pas grave. J'aurais trouvé le module anti-gravité, je l'aurais fait, mais. Mais je ne l'ai pas trouvé. Ouais, je m'en bats les couilles des munitions. Je suis là pour les utiliser, je suis pas là pour les économiser. Kapunga! Ils sont où les brutes? Il y a pas d'autres brutes? Tout est là, là, dis donc. Ah, là-bas, je t'ai vu. Attends. Voilà, pardon, je me rappelle plus comment on tire les grenades trop. Ah! Attendez, regarde ce qu'on va faire. Je vais utiliser le maximum de balles de mon sniper. Voilà. Il s'est tué tout seul, le con. Toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi? D'où? Putain, je t'ai pas eu. Voilà, je t'ai eu. Oh oui, ce qu'on va faire, c'est ça, regardez. Attendez. Olé, olé, olé. Bon, voilà, le mec. Putain, mais il est trop. Ah, c'est survivant celui-là. Hein. Ils sont mes potes. Toi, viens là, viens là, viens là. Prends ça. Tu vas plus t'amuser avec ça, je te jure. Voilà. Voilà, t'as bien compris le principe. Oh, le mec, vous lui avez troué le cul, quoi, comme ça. Dis donc, c'est pas beau. Yes, ça marche. Je me rappelle qu'ici, après, on va y retourner, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Bon, c'est pas grave, on y retournera après. Il y a une apparition, là. Est-ce qu'on essaie de la voler? Oui. Comme tout bon gredin qui se respecte. Putain, j'aurais eu le sniper, j'aurais pu buter la... J'ai... Ouais, s'inquiète, j'ai remarqué. Ouais. Aïe. Non, la faites pas péter, la faites pas péter. Je la veux. Voilà. C'est qui le papa maintenant là? Eh oui, mon gars. Eh oui, mon gars. Ici c'est fini, ici c'est Paname. Il est où le truc qui me tire dessus là? Tiens, prends ça toi. Dis donc. Fais respecter là-haut. Oh putain. Oh, ce groupe de bâtards. Ouais, c'est bon. J'ai réussi à le tuer lui. Ce que je vais faire du coup, c'est buter lui. De manière sans respectueux. Voilà. Et c'est moi qui l'ai l'apparition, sac à merde. Et voilà, prendre les balles qu'il y avait là. C'est parfait. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais je m'en bats les couilles de ça. Yes.
Un Warthog. Mais pourquoi vous parlez de Warthog, les gars? Les gars, un Warthog. Vous voyez au moins ce que je pilote là? Raté. Voilà, toi tu te tais instantanément. Et toi aussi, non? Allez, bisous, on se retrouve. J'ai un Warthog, c'est de la merde. C'est super lent l'apparition en fait. J'avais pas capté qu'on se ferait chier en fait. Ah d'accord, en plus ça bloque. Bon, ce qu'on va faire c'est prendre un chopper, c'est 10 fois plus marrant un chopper. Pourquoi je balançais ça moi? Pourquoi? Et là-bas, pour ceux qui ne savaient pas, il y a un Warthog complètement apte au service, ainsi qu'une mine. Et ça, c'est génial. Voilà. Ce que fait, je le retourne comme ça, mes potes qui vont arriver vont pouvoir le prendre en fait. Moi je préfère carrément ça. C'est tellement plus fun et ça vole tellement plus loin. Wouhou! Ça marche. Et avec ça en fait vous pouvez à peu près monter tout et faire les plus gros sauts de votre vie. Oh! Oh! Oh, j'ai mal à ma France. Putain, j'avais oublié que ça pouvait one-shotter les véhicules quand ça leur fonçait dedans. Ah ouais d'accord, donc aucun respect de la part de Zlatan quoi. Bim le muscle. Non, tu monteras pas là-dedans. Putain, mais ils sont résistants quand même hein. Bon, cette fois je ne me fais pas avoir comme un gros bleu là hein. Je vais voir si on peut pas la tuer d'ici celle-là déjà. C'est bon, ça passe. Mais eux, mais directement. On va voir qui c'est le papa là. Putain, je crois que j'en ai esquivé un, mais tellement de justesse. Voilà, toi tu t'en vas, c'est par-ci. C'est parfait. On va passer par là parce que j'en ai marre de passer sur la route. Oh, t'es pas là pour. Pour passer sur une route, mon dieu! Oh! Oh! Oh, mais je suis une grosse merde! Une grosse merde! Putain, j'ai perdu tellement tout mon skill. Skill légendaire. Qu'est-ce que je fais là, moi? Allez. Oh, Geronimo! Allez, c'est bon, ça passe. J'ai une apparition, c'est déjà un peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, c'est pas intéressant. Tant pour moi. Oh, mais vas-y, je vais essayer de le faire en mode intelligent. C'est-à-dire, déjà, ne pas monter là-haut directement et aller par là-bas, comme on fait tout le temps, normalement. Putain, mais... Est-ce qu'ils sont sérieux? Je le vis mal, là. Vas-y, viens là, toi. Allez, il croyait que je l'avais pas vu, lui. C'est pas comme si t'avais fait exactement pareil tout à l'heure, enculé. Voilà. Je te chibagrerai si ça tenait qu'à moi, tu vois, là. Allez, encore un. Putain, mais ça respecte rien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. En fait, ouais, ce véhicule, vous y mettez un coup de boost dans un autre véhicule, il meurt instantanément. Ce que je vais essayer de vous montrer là. Voilà. Donc il faut juste pas se faire choper par les autres choppers en fait. Voilà, j'aime beaucoup le concept. Voilà, c'est bon, on arrête de me sous-estimer de la sorte. Putain, je failli mourir là. C'est bon, y'a plus de chopper, j'ai réglé mes soucis. Ah si. Autant pour moi. En fait, y'en a plein de choppers. Ils sont où? Je crois que j'en ai perdu un. Voilà. Ça respecte là. C'est bon. On va pouvoir passer par la route de l'autoroute de Tsavo. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et voilà, putain, le carnage, ce cimetière que je viens de te faire. Il y en a au moins 6 là, des chopeurs ennemis. Allez, c'est pas grave, on faisait comme si de rien n'était. On va juste se mettre là-haut pour pouvoir tuer celle-là. Ça marche. Hop, on peut y aller. Putain, la musique, elle fait quand même rêver. Hein.
pas à dire. Voilà, ça c'est fait. Ah, j'avais oublié l'apparition. Yes, ça marche pas trop dans les apparitions de. C'est bon, respect. Je vais un peu sortir pour prendre un peu ma vie. Et là, vous savez bien sûr que si vous voulez tuer une apparition, derrière reste le meilleur moyen. Voilà, quelques coups de mandale et c'est réglé. Je vais garder ça quand même parce que c'est plus rapide, plus actif comme bestiole. Surtout qu'il reste une apparition ici. Oh, ce manque de respect le plus cuisant. Oh, je m'en vais parce que là j'allais mourir. Voilà. Ah, j'ai cru remarquer. Pourquoi je balance ça? Putain, à chaque fois j'essaie de sprinter en fait. Voilà, des balles. Ce qu'on va faire, écoutez, c'est passer à la méthode spartane, qui consiste simplement et dignement à lui marrer sa gueule de merde. Voilà, c'est qui là le papa? C'est qui? C'est qui? Mais j'ai pas entendu. Voilà, je préfère. J'ai failli juste mourir pour lui mettre une mandale pour l'achever, c'est juste le gros ego de merde. Par contre, il me faut un véhicule pour là-bas. Je vais rechercher mon chopper. Voilà, ça c'est fait. Il est là-bas ce truc, c'est bien ça? Ouais, malheureusement. Hop, le plein de balles, et on y retourne. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire, c'est tout ce qu'il suffisait de faire. Ah, d'accord. Ça marche. Je pensais faire un petit tricks, mais... Mais en fait, je suis même pas dans le bon sens de... What? Ok. Si vous avez arrivé à vous renverser avec ce véhicule, je vous appelle papa. Parce qu'avec des années d'expérience, j'ai toujours pas réussi, moi. Ok, faut défoncer un peu le panneau. Surtout tirer là-bas dans le tas parce que je sais qu'il y en a plein des mecs. Et défoncer ça aussi de loin, accessoirement. Voilà. C'est un peu chiant. Là c'est un Warthog que je suis en train de péter, hein. Oui oui. Ok. Toi t'es fini. Toi t'es fini. Putain, pourquoi il a mis ça lui? Ok, lui il a trop cru, lui il était un peu trop chaud. C'est bon là? Vous savez qu'on peut péter quand même ces trucs là, les trucs anti-véhicules, on peut les péter. Ah, j'ai mal, oui j'ai mal. La meute te détruira, et si je détruisais la meute, bâtard? C'est qui là? C'est qui parle? Voilà, on me laisse discuter là. L'autre avec son vieux lance-piou-piou. Il était ridicule. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Voilà. Attendez, je veux juste écouter. Ah, ah. Ah, je m'en bats les couilles. Ah ouais. Allez. De toute façon, c'est comme ça. Quand vous voulez juger une religion, faut d'abord pas écouter ce qu'ils ont à dire. C'est la base. Lol. C'est le démon, de suite, c'est un bien grand mot ça. Pas parce que je suis un gros, pas enfoiré là, tu vois. Ah! Ah d'accord, j'étais chaud là, moi je m'étais un peu enflammé là quand il m'a dit c'est le démon, j'ai fait d'accord, on parle à moi, on parle de moi. Ça n'empêche pas que toi là-bas, voilà, tu n'y restes pas. C'était joli. Oh, j'en ai même pas eu un. J'y ai cru pendant un moment. Est-ce qu'il n'y a pas des armes ici? Si je pensais prendre ça à la place de... Parce que c'est pas que mon pompe, il est bien, mais il one-shot même pas. Et puis je peux pas tirer de loin, alors... Alors voilà, hein, je préfère un peu... Il fait quoi, lui, là-bas? Il a cru faire quoi? Allez, rentre chez toi, hein. Ta maman t'attend pour le souper. J'aurais pas envie qu'elle m'engueule. C'est bon là, c'est bon, je peux discuter, je peux discuter.
C'est où là? C'est où que ça parle? Allez. Je sais pas ce que ça fait, Je crois pas que ça les tue. Putain, je suis une grosse merde. Allez, allez, putain, ils ont trop de grenades, ça fait que des grenades là. C'est la bataille de grenades. C'est bon? Putain, oh le combat de grenades quoi, Jet Set. Ben, je crois que c'est bon, hein, on a fini la mission. Amiral, ouais. On s'en est tiré. On a fini la mission. Très heureux de l'apprendre. Ils ont interrompu les fouilles. Ah bah c'était parfait, écoutez, regardez-moi, je suis à droite là, en train d'essayer de me demander si je vais me suicider ou pas tout de suite. On va reprendre notre ville, et on va enterrer nos ennemis dans la tombe qu'ils ont creusée. Ah ouais, là ils vont tirer, c'est trop stylé. Je crois que la suivante c'est Tempête. Tempête, elle fait rêver cette mission. C'est la mission, mais je peux tellement tout la faire les yeux fermés tellement on l'a fait, faite et refaite, pète et répète quoi. Oh mais là je vous la fais, mais... Oh oui. Donc on va regarder un peu les résultats. Je peux toujours pas voir ma statistique, mais c'est pas grave. 6 morts, c'est assez ridicule, 109 frags. 71 grognards, 16 spécialistes, 9 leaders et 2 brutes légendaires. Tiens, je l'ai même pas vu la deuxième. 11 légers, donc il y avait 11 choppers quand même. J'ai détruit 11 choppers, c'est assez beau. Et bon, c'est assez ridicule, hein, j'avoue que les points... Mais je vous dis que avant j'étais un peu meilleur parce que je l'ai quand même fait en légendaire, voilà. Et là, ça se respecte pas trop. Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la suivante. Il me semble que c'est Tempête, si c'est ça, c'est bien Tempête, je suis content parce que Tempête, vous voyez, ça va un peu envoyer du gros pataille. Et puis bon, ben voilà, hein, à toutes, enfin, à la prochaine.